Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce modèle de sac. Prochain, pour réaliser ce sac, nous avons besoin de 3 rouleaux de fil de crochet, 165 grammes chacun, 7 du fil de coton recyclage. Nous avons besoin de paire de ciseaux, une aiguille de crochet de 7 mm. Des accessoires tels que des rondelles pour attacher la manche et la chaîne. J'ai pris 4. Nous avons besoin d'une closure et nous avons besoin, et ça c'est pour le frein et fringe, et une chaîne pour faire le crossbody. Enfin, nous avons tout le matériel. Let's go! Pour commencer, on va laisser un long bout de fil. Puis, on va faire une chaînette de 13 mailles. On fait le nœud. Puis, on compte jusqu'à 13 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, plus une maille supplémentaire. Maintenant, on va faire une maille serrée dans la deuxième maille. On saute le premier, on fait une maille serrée à l'arrière du deuxième. Ainsi, on va travailler une maille serrée dans chaque maille. Au total, on a 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maintenant, on va travailler normalement sur cette dernière maille. On va faire 3 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2 et 3. On tire. Maintenant, on va faire 12 mailles de ce côté aussi. 12 mailles serrées. On fait 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maintenant, nous allons faire 3 mailles serrées à l'intérieur de la maille supplémentaire qu'on avait fait. Quand on a les deux boucles sur notre crochet, on prend le fil qu'on avait laissé à l'arrière pour faire la fermeture. On le tire vers le haut. Maintenant, on va piquer dans la deuxième maille. On saute la première. Ici, on pique. On tire. Maintenant, on va passer le fil à l'arrière des deux boucles. Ici, à l'arrière des deux boucles. On ferme. On va faire comme ça pour la fermeture de chaque rang. C'est fini notre premier rang.
Pour notre deuxième rang, on va faire une maille serrée à l'intérieur de cette maille du rang précédent. On va faire ça 12 fois. On pique à l'intérieur, puis on fait notre maille serrée. Dans les trois mailles que nous avons fait dans le rang précédent, nous allons faire deux mailles serrées à l'intérieur de chacun. Ensuite, 12 mailles serrées. Comme l'autre côté, on fait 2 mailles serrées dans chaque maille. Pour la fermeture, comme vous savez déjà, on fait comme le premier rang. On a 2 boucles sur le crochet. On tire le fil vers le haut. Puis, on pique. On va piquer dans le premier maille. Pour fermer. Puis, on tire les 2 boucles à l'arrière. On tient les deux boucles à l'arrière pour fermer. On fait comme ça pour toutes les fermetures. Pour le troisième rang de notre base, on a déjà fait notre 12 mailles serrées, puis on va augmenter. Maintenant, on fait 2 mailles serrées dans la même maille. 2. Suivant, on fait une seule.
suivant, on fait deux. Après chaque deux mailles, on fait une seule. Après chaque deux mailles, on fait une seule. On fait deux. La dernière, on fait un. Maintenant, nous allons faire notre 12 mailles. Nous avons terminé nos 12 mailles. On va faire la même chose pour ce côté aussi. Deux mailles serrées dans la même maille, puis la suivante, on fait une seule. Nous avons terminé avec notre base. Maintenant, nous allons travailler à l'arrière. Nous allons faire une maille serrée de chaque maille. Ici. Ensuite, on ferme. Pour le prochain rang, on va faire une maille normale. Dans la maille suivante, on le prend jusqu'en bas. On va faire comme ça tout au long du rang. On fait une maille normale dans la prochaine. Ensuite, on fait une maille, on le prend jusqu'en bas. On fait comme ça. Thank you.
Dans le prochain rang, on va piquer jusqu'en bas dans la maille normale pour faire une maille serrée. Dans la prochaine maille, on pique normalement. Dans la prochaine, on pique jusqu'en bas dans la maille normale. Dans la prochaine, on fait une maille normale. Une maille normale. On fait comme ça jusqu'à la fin du rang. On ferme notre rang et nous allons faire 12 autres rangs. Comme ça, on se retrouve. Nous voilà, on a terminé nos 14 rangs. Ensuite, on va faire le bord du sac avec des mailles coulées. Ensuite, on ferme, on va couper le fil et on va fermer avec une aiguille. Maintenant, je vais faire une ligne de mailles coulées au milieu de la base de mon sac. C'est optionnel. Si vous voulez, vous pouvez laisser. Moi, je préfère.
Nous allons travailler le haut de notre sac. Nous allons faire une chaînette de 13 mailles. On pique dans la deuxième maille à l'arrière avec une maille coulée. On va faire une maille coulée de chaque maille. Au total, on aura 12. Maintenant, on fait une maille en l'air, on tourne, on va venir faire une maille coulée ici, à l'arrière, on pique à l'arrière, ici, une maille coulée de chaque maille. Au total, on aura 12. À chaque fois qu'on a terminé notre rang, on fait une maille en l'air, on tourne et une maille coulée de chaque maille. Voici mon résultat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On fait 24 rangs pour avoir 12 morceaux comme le mien. Ensuite, on fait une maille en l'air. On va faire le tour du morceau comme ça, comme le mien. On va tourner autour du carré.
Encore une fois, on va faire un tour, mais cette fois-ci, on va laisser une partie pour attacher avec le sac. Maintenant, nous allons localiser le milieu du sac et attacher le sac avec le bas avec des mailles coulées. Ensuite, on fait le clutch. Pour la manche, on va faire 5 mailles en l'air. On va faire une maille coulée dans la première maille pour former un cercle. De là, on va faire une maille coulée comme une spirale. On fait une maille coulée de chaque maille suivante jusqu'à la longueur désirée.
voici le résultat. J'ai monté les accessoires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos et de liker ma vidéo. Merci et bye. À la prochaine.